still young. I don't really care, try staying strong. Party every day, I'm ready stone. Take another bomb here. Yeah, I'm dumb, but at least I know it. Living young, gotta be the best shit. Won't be living long. I don't give a damn, bitch. I'm still young. I don't really care, try staying strong. Party every day, thoughts getting hung. Black holes in my head, black as my lungs. Too much Mary J, okay, I walk like I talk. Chilling round the clock, my life's looking like I ain't giving any fuck. And I'm not, does it shock? Sitting down the block, we be talking, drinking, smoking, living life just like we want. And the song from the east, still stuck in my head. Still feels like I'm dead. Black holes in my head. Through the void, that's there. Okay, now pop, bottles pop. Getting higher till the down. Drop, take no rock. Let the party never stop. No. Dancing, drinking, smoking, fucking till our thoughts drown. Hit me with some bass when I slow down. And the songs still stuck in my head. Yeah, yeah, yeah. Still stuck in my head, still stuck in my head, in my head. And it got a little something like bonjour, bonsoir, enfin oui, plutôt bonsoir, il est quand même 21h, on est sur la Blue Genji Sport, ce soir c'est le cast du Short Trust, édition numéro 1 pour la saison 5. Je suis MP8939 et je serai votre caster pour ce soir, j'ai presque oublié mon rôle. Nous sommes donc sur ce soir un match assez sympathique puisqu'on a quand même la première équipe de la poule, il me semble, si je ne m'abuse, la poule A. Le groupe 1, voilà, plus précisément, face à quand même une équipe jaugée Obed aussi, qui est pas mal classée. Il me semble qu'ils sont, ils sont quand même bien, je crois, j'espère. Ne pas me tromper en tout cas. Voilà, on a les joueurs qui arrivent, on a le Mapool qui va prendre, on va présenter tout ça comme d'habitude très très bien. Voilà, GG Obed en 3ème position du groupe A. On a donc, en tank, chez les GG Obed, Narcas,
DPS Hitscan Imran. Poroli qui sera le DPS un petit peu plus flank, flex, je dirais même presque. En support, main support, plutôt flex support, Lucio. Le Lucio prototype qui nous est présenté sous Lucio. Et on a Skylands avec le support représenté comme une Anna. On a donc, il me semble, voilà, c'est le manager Matt 5005, pareil, toujours du côté de la GG Obed. Pour la Lunarion Orion, ça devrait drop d'ici deux petites secondes. Voilà, nickel. On a Eldar en tank, Harry Potter en DPS Hitscan, Deiros pareil en DPS Flex, Pat de Pau en main support et Isaku en support. Voilà. Et évidemment, Harry Potter, leur cher manager, j'adore ce pseudo. Je crois que je les ai déjà vus à la Blue Genji. Pour un Trust Tournament, il me semble, voilà, parce que Harry Potter, ça me disait quand même quelque chose. On a quand même une très 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 belle équipe, Bounty à la production, comme très souvent, et le Mapou, voilà, qui se déroule sous nos yeux, qui se déroule plutôt sous nos yeux. On commencera en contrôle par Ilios, hein, cette magnifique Maghreb, grec, ouais, je vais y arriver à enchaîner mes mots ce soir. Ensuite, on ira sur Numbani, puis New Queen Street, et Route 66, et pour finir sur Ravassa, si on va évidemment en 2-2. On est en First to 3, donc le premier à 3 points, aussi appelé par certains BO5. Voilà, donc on verra comment ça se passe. Oui, si, c'est à peu près la même chose, à peu près. À peu près. Et en tout cas, voilà, et ça demande nickel. Tout le monde est commencé à être prêt, vraiment, on est ponctuel ce soir. La 21e heure va tout juste sonner dans quelques instants. Et tout le monde est à l'heure, et les deux équipes sont prêtes depuis suffisamment longtemps, et donc voilà, j'ai très très hâte de caster ce match, je serai à la fois dans la partie et à la fois sur l'écran de mon cher Bounty. Voilà, tout se lance, comme ça j'aurai mes deux angles de vue, ça va être nickel. Alors, se dessine du côté de la GG, on est d'accord que GG sont à gauche, hein. Oui c'est ça, GG sont à gauche, Lunarion Orion en rouge, GG en bleu, enfin en tout cas je vais retrouver le nom, il me semble de tête que voilà, c'est Obed, je sais pas si c'est leur structure ou leur nom d'équipe, il me semble que c'est le nom d'équipe, voilà, ok merci, Good Guys la structure, donc voilà GG en bleu slash vert, moi je les vois, et on aura l'équipe de la Lunarion Orion en rouge sur le côté droit, voilà, et cette map de puits se lance tranquillement sous nos yeux alors que les premiers héros vont commencer à pop, une dive des deux côtés avec une écho pour les équipes, l'équipe Obed, et un cri pour l'équipe de Lunarion Orion, ainsi qu'un duo Baptiste Lifeweaver en support contre Kiriko Lucio pour les Obed de GG. 10 secondes avant l'attaque, ça risque d'être un match assez sympathique, puisqu'on a quand même l'équipe de Lunarion Orion qui déjà prend à Lucio, pendant que Poroli GG prend ça s'y mettra, mais aussi voilà, Lunarion Orion, cette équipe qui a mis un 3-0. Ça commence directement avec le TP des rouges, des bleus, pardon, parce que du coup, c'est pas les bonnes couleurs, j'adore. Voilà, un Arcas hein, qui commence tranquillement à prendre le top avec son Monkey, hein, il est très 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 bien placé, pendant que son vis-à-vis est en bas, de l'autre côté du clocher, avec une manière un peu bunker de jouer, ça se cherche un tout petit peu. Les premiers dégâts vont commencer à fuser avec ce sniper de Monkey, pendant que le Monkey de Eldar hein, essaye évidemment d'aller chercher le petit pic sur, je crois que c'était Kiriko, qui malheureusement n'a pas pris, et c'est Zedasan qui tuera Eldar en first pick instantanément, accompagné de son tank et de son Lucio, ce qui va permettre à l'équipe des GG de tout de suite réenchaîner avec un deuxième kill sur la Tracer, magnifique. Lucio qui est déjà mid life hein, du côté des rouges, il va falloir faire très très attention. Monkey qui tombe, Lucio qui tombe, Macri qui tombe, c'est un carnage en tant que premier fight. Et la Kiriko qui viendra se faire, je pense, un tout petit peu delay kill. Voilà, par rapport à ses équipiers, histoire de gagner un tout petit peu ses précieuses secondes pour les GG, évidemment. Et c'est un premier fight vraiment très 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 réussi pour cette équipe bleue pour l'instant. Voilà, un switch diva qui a direct été fait. Peut-être par différence de niveau de Monkey, évidemment, pour faciliter le travail du tank. C'est un choix, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Hein. Voilà, ça cherche encore les petits dégâts pendant que la Echo est vraiment en train de scanner. Elle a directement copycat le tank de la Lunarion, histoire éventuellement de prendre peut-être quelques kills sur une bombe extrêmement facile à charger. La Suzu Kiriko qui est partie, Harry Potter qui vient de tomber, Isaku qui vient de tomber aussi, le mur du son, le Kitsune qui a été lâché, la fin de la forme de copie de Zedasan, Kiriko qui tombe pour les rouges, et Deiros qui se fera encore une fois un petit peu delay kill, c'est le deuxième delay kill déjà, c'est très très important, on est déjà à 50% pour
Là, GG, il va vraiment falloir rester sur ses positions. C'est une map pas facile à tenir. Avec le prix au milieu, ça peut être très très dangereux pour des supports comme Kiriko. Même si elle a sa chance d'escape, si elle finit au milieu du puits, ça peut être très 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 dangereux. Il passe tout de suite du côté du phare. Évidemment, pour essayer d'investir ce point extrêmement rapidement. Ils sont en train de se faire C9 ou quoi? Ils sont fait C9. Ils sont fait C9, oui. Ok, pourquoi pas. C'est un C9 de la part de la Lunario Orion. C'est très 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 bien joué. C'est quelques petits pourcents qui peuvent quand même faire changer toute une game. La pression qui est mise par Eldar ne sauvera... Oh si, sauvera ce Macri, mais ne sauvera pas la Kiriko. C'est un échange de build sans précédent. Echo, l'écho de Zedassan est vraiment très très forte. Les deux DPS sont vraiment très très impactants. Le mur du son qui a été lancé, je vais y arriver, par Pat, histoire de sauver lui-même et son temps, pour tenir un petit peu plus de temps afin que ses équipiers puissent revenir aider à tenir le point. Malheureusement, Pat ne se fera pas sauver. La bombe qui tombe dans le vide, c'est très très triste. Skylands qui prendra une petite tête sur Isaku pendant ce temps-là. Il faut pas oublier les duels de Kiriko, ça va très 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 vite généralement, surtout à ce niveau-là. C'est Narcas qui vient évidemment mettre une petite gifle dans le cri et qui viendra taser cette tresseur en reprenant le point. On a vraiment l'impression qu'ils sont là pour établir une certaine supériorité sur ce point de puits. Il va falloir faire très très attention parce qu'un signal est très vite arrivé. Il peut y en avoir un deuxième et c'est en train de se dessiner comme ça. Narcas, cette fois-ci, il les a vus, il s'y attendait. Il va peut-être Monkey Rage. La Suzuki Kiriko qui est parti, le Kitsune Rouge aussi qui est parti au même moment. Kiriko qui vient tout juste de sauver son temps, qui l'extrémise. Prototype qui tue Saku. Eldar qui tombe dans le vide par les mains de Narcas. Il est intuable ce temps. Et Poroli qui vient éliminer ce cri qui pourtant censé l'arrêter beaucoup plus facilement qu'une Tracer. Et qui se fera elle-même aussi casser la figure. Un bon crochet du droit à l'anglaise qui viendra finir ce petit match. Et puis voilà, pareil, Lucio malheureusement qui vient de tomber. Une manche assez rapide, assez vive finalement. On est quand même sur une map de capture, hein, il faut pas l'oublier. Ça va relativement vite, il faut réagir très 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 efficacement quand on a ce genre de map sous nos yeux parce que c'est des points qu'on peut considérer presque comme faciles. Voilà le petit tag des Dallas Fuel hein, qui a été posé sur la porte du faisceau bleu, hein, le vaisseau des GG, pendant que cette magnifique statue grecque dans ce temple vraiment illumine toute la carte, presque à la place du soleil. C'est beau, c'est poétique, je suis poétique ce soir. J'arrive pas à enchaîner les mots, mais je suis poétique. En tout cas, le deuxième point, peut-être le dernier pour cette première manche. On est parti, toujours les deux mêmes compositions, pas de changement. Et ça, déjà, c'est très très agressif, beaucoup plus agressif de la part des Obed que de la part des Orions. Il va falloir faire très 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 attention avec ce Monkey, hein, parce que lui, il s'est montré quand même plutôt supérieur par rapport à celui de Eldar, qui est déjà l'OPV, qui force déjà Kiriko à utiliser la Suzu. Il faut faire vraiment très 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 attention. Parce que là, c'est les premiers pourcentages qui sont les plus importants. C'est ceux qui donnent le moral. C'est ceux qui donnent aussi l'avantage. Donc il va vraiment falloir jouer beaucoup plus tactique. Le point est directement investi par l'équipe des Obed, qui est absolument très forte. Voilà, je n'avais pas de terme plus approprié. Ils sont vraiment forts et sur leurs appuis, je dirais même, ils overextendent pas trop. Ils sont pas non plus passifs. Donc c'est vraiment très très intéressant comme match à regarder. Peut-être le kill sur Lucio, voilà, qui a été pris par Zedassan, qui vient... trouer le Lucio adverse avec un rayon laser façon Star Wars. Ça a été très très efficace, ça a l'air de bien marcher sur Lucio. Le temps qui est déjà mid HP chez les rouges, il va falloir faire très très attention. Il n'y a plus de Suzu. Harry Potter qui prend un kill sur Zedassan, Harry Potter qui prend un kill sur Skyland. Ça y est, peut-être enfin un point repris par la guerre des roses qui prend le kill sur Prototype et Pat qui vient éliminer, sortir Narcas avec un coup de poing qui se fera même delay kill. Le point est aux couleurs des rouges et les 10 premiers pourcents sont déjà colorés. Il va vraiment falloir faire très très attention ou alors avoir un assaut extrêmement efficace parce que là les GG Obed sont vraiment en train de perdre l'avantage petit à petit. Le copycat de Echo qui est lâché sur le Monkey, évidemment c'est un ultime et un tank extrêmement puissant dans cette composition. L'ulti de Narcas qui est lâché, Deros qui tue prototype encore une fois avec sa bombe à impulsion, Zedassan qui tombe sous la main de Winston, Deobed et Isaku qui se permet de faire une double tête, une sur Narcas, une sur Skyland, comme ça pas de jaloux, ce qui permet au tank Eldar de continuer son petit push tranquillement et de reprendre l'avantage sur les rouges. Et ça, c'est le plus important parce que c'est
qui va vraiment définir et le moral et la victoire. On est déjà les 50 premiers pourcents qui sont partis sur cette map. Le Ainu qui est en train d'être lâché, peut-être un kill. Narcas qui a quand même réussi à prendre des roses. Ce serait pas mal que le Ainu fonctionne, et malheureusement il ne marchera pas. Il n'était pas midi apparemment. Harry Potter qui est déjà mis de life, voilà, qui se fait tuer par Skylands, qui prend sa petite revanche tranquillement. Zelassan qui arrive à tuer Pat avec un très très beau tir en l'air. Eldar qui tue Skylands pour venger son ami Macri, mais malheureusement je ne pense pas que ça les sauvera. Quoique Deros qui arrive à prendre un kill sur Poroli après le kill de Poroli sur Isaku. L'ulti, la rage primordiale de Monkey qui lâche, il va falloir faire très très attention. On n'a plus que 80 HP, c'est Narcas, et on en a 0. Le mur de son qui est lâché, ça va très 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 vite, les kills s'enchaînent. Pat de Pau qui vient de revenir, prend son petit kill et met son petit mur du son afin de peut-être valider le point pour ses alliés. Eldar tuera prototype avec un delay kill de bien 5 secondes quand même. Ce sera très efficace et je pense même que les rouges ne pourront pas retoucher le point. Peut-être avec la Tracer de Poroli qui va faire un sauvetage in extremis, mais Isaku l'attendait. Les prolongations. Hein. Oh là, entrave de cri qui viendra empêcher le Winston de Narcas de toucher le point et donc empêcher le push complet de son équipe. Le point est repris officiellement par les rouges avec un kill de Harry Potter cette fois-ci. Pour finir cette manche, on entre déjà dans la dernière phase de Ilios et on est seulement à 9 minutes de match. Et donc c'est très rapide. Il va falloir que je me branche un petit peu plus parce que j'ai la voix qui me quitte petit à petit. Donc tenir jusqu'à la fin. En tout cas, ça a l'air de très très bien se passer pour les deux équipes. Il y a quand même un partout, hein, il faut pas l'oublier. Petit rappel, pendant les 20 dernières secondes, les résultats des derniers matchs étaient une victoire des Silver Smurfers à 3-0 face à Wreck It Rains, qui avait malheureusement pas réussi à prendre une seule match, un seul point en tout cas. Et surtout, dans seulement 5 petites secondes, la dernière map, le phare, ma seconde map préférée d'Ilios personnellement, va être décisive en tout cas pour ce premier point. Deiros qui prend le TP évidemment avec Symmetra pour avancer son équipe de quelques mètres très importants. Et j'ai cru qu'il y avait un push, mais non, pas du tout. Hein. Encore une fois, cette technique un petit peu de cloîtrage, hein, pour les rouges qui sont vraiment cette fois-ci beaucoup moins agressifs. Enfin, en tout cas, malheureusement, un petit push multi qui ne parviendra pas à prendre de kill, qui a même failli être très 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 dangereux. Un deuxième, il s'attarde pas. Une fois que le cooldown est revenu, il a directement enchaîné une attaque. Et une troisième, il faut pas l'oublier, jamais 203. Le point est désormais disponible pour les deux équipes, mais il va falloir faire très attention pour les rouges qui ont décidé d'être beaucoup plus défensifs, beaucoup plus agressifs, pardon, par rapport aux bleus qui étaient jusque-là un petit peu en avance, hein, en termes d'agression. Mais il va falloir faire vraiment très 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 attention parce que Narcas n'a déjà plus de vie. Il n'y a plus de sous-zone, on ne peut plus sauver. Poroli et Prototype prennent chacun un kill sur effectivement le tank et le healer de l'équipe bleue. Harry Potter prendra un kill sur Skylands, mais bon, quel point va finir par se colorer de quelle couleur? Ça a l'air de se tenter, hein, pour les bleus beaucoup plus. Voilà, Zedassan qui viendra valider ce point. Et quand même 23% déjà d'avance pour la Lunarion Orion. Donc va falloir faire, pardon, très très attention. Zedassan qui avait même copycat le cri. Va falloir vraiment recharger cet outil parce que je trouve qu'il a été utilisé peut-être un poil trop vite. Ça a quand même permis de valider le point. Donc on sait jamais, je me trompe peut-être. En tout cas voilà, on a Narcas qui est dans la backline de ses adversaires. Eldar a fait pareil et Deiros a réussi à éliminer Narcas. Zedassan a tué Harry Potter. Eldar a retué Zedassan. Skyland a mis une patate sur Isaku. Ces deux-là ne s'aiment vraiment pas. Deiros et Skyland qui est tué, hein, par Deiros et son Lucio, le Lucio de Pau, qui viendra quand même valider son petit kill sur le Lucio adverse. Le point est toujours en faveur des bleus. Il commence à reprendre de la couleur rouge. 37% contre 24. Qu'est-ce qui est en train de se décider là? Franchement, là je n'ai aucune idée. Encore la première manche était un peu plus simple de voir que c'était les bleus qui allaient prendre de l'avance. Là au bed. Là, c'est compliqué. Depuis le deuxième point, ça s'est réveillé du côté de Lunarion Orion. Je pense qu'ils ont arrêté de sous-estimer leurs adversaires et qu'ils ont vraiment commencé à jouer. Le Ainu qui a essayé de passer mais qui ne passe. Ah, il passe! Et, oh, mon dieu, un kill, deux kills, trois kills. Splendide, le Ainu qui a vraiment permis d'enchaîner toute l'équipe bleue sur ce push absolument magnifique. Et encore une fois, Narcas éliminé en dernier. Tristement, qui ne pourra pas mettre cette rage primordiale. En tout cas, leurs adversaires n'en ont pas envie. Un peu triste. En tout cas, voilà, on arrive quand même à 65%. On rentre dans les derniers instants de la partie. Et la Lunarion Orion est en train de faire briller le point sous ses couleurs. Narcas qui est obligé de reculer. Zedassan qui a copycat le Monkey. Mais malheureusement, il se fera éliminer. Proli qui tue Po.
Eldar qui tue Skylands, mais qui va réussir à valider ce point? Narcas est obligé d'utiliser sa rage primordiale pour ne pas mourir, il poche quand même un petit peu le point, il revient sur les adversaires, que fait-il? Il est entravé, il ne reste plus que 500 HP, seulement une seconde du tir, enfin, faire très attention, Narcas passe à 800 HP par le soutien de Prototype. Son Lucio, il permet de push, malheureusement ça ne trouve pas de cible et Deros viendra éliminer Narcas, Prototype viendra tuer Isaku, le point est toujours pour les rouges, ils ont deux ultis, le premier est lâché, c'est le mur du son, le deuxième est lâché, c'est la bombe à impulsion qui prend le kill sur Prototype et qui viendra empêcher toute l'équipe des bleus et pourtant Zedasan qui prend le deux kills et se fait tuer par Deros, il se fait couper, Deros a maintenu le point de Zedasan, assez loin. Et pour Oli, vient vraiment venger son camarade DPS. Le point retourne en faveur des Obed. Et là, ils ne doivent pas le perdre. Alors que le Monkey prend ses petits dégâts en haut top, il va falloir quand même faire attention à éviter de faciliter trop le push pour les adversaires. Parce que oui, là, l'entrave, attention, parce que si le Monkey adverse avait réagi, ça aurait été un petit peu plus compliqué, je pense. Le Monkey rouge qui a l'air d'être dans le bac, voilà, il arrive, il a mis son petit bubule. Harry Potter qui prend le kill sur Zedasan qui viendra tout de suite empêcher une partie de l'attaque adverse, en tout cas en hauteur. Il va falloir faire très attention. Potus Skyland, Eldar Tube, Poroli, Prototype éliminera Deros. Il va falloir faire quand même attention parce que pas de Tracer, ça complique un petit peu la tâche. Et Harry Potter et ses équipiers viendront éliminer respectivement Narcas, tandis que Po viendra tuer Prototype, ce qui a l'air de valider le point et cette partie sur Ilios en faveur de la Lunarion Orion. C'est très bien joué. C'est une très 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 belle manche que nous a offert la Lunarion Orion. Pourtant pas facile au début parce qu'ils ont quand même perdu le premier point. Je pense qu'ils étaient un petit peu ralentis en train de se réveiller tandis que voilà, Poroli avec son action de la partie. Je crois que c'est un triplé. Oh, c'est sûr que c'est un doublé minimum mais je crois que c'est un triplé. En tout cas, voilà, une très 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 belle manche sur Ilios, ça a été très bien joué. Voilà, ce petit tir dans la tête assez désagréable. Voilà, et c'est une victoire pour la Lunarion Orion sur un 2-1. On passe tout de suite en bi-objectif. Donc j'ai le premier, j'ai escorte, j'ai capture, mais j'ai pas le nom en anglais, c'est pas grave, ça va me revenir. Hybride, voilà, heureusement que c'est marqué en dessous. Et deuxième manche, voilà, hein, sur Numbani, en tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié cette manche. On a vraiment une très belle remontada, pour le coup, de la part de la Lunarion Orion qui s'est vraiment réveillée, qui a vraiment imposé et qui a presque marqué son territoire. Hein, on peut le dire comme ça, ça a été vraiment très bien joué. Et pourtant, les Obed ne sont pas en reste. Puisqu'ils ont quand même marqué le premier point et ils ont réussi à prendre des fights importants sur le deuxième et sur le troisième. Ça n'a pas conclu, ça n'a pas abouti, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça a quand même été très qualitatif. Et puis voilà, j'ai hâte de savoir. Ah oui, je crois qu'on peut le dire, on aura normalement une double interview ce soir, une de chaque équipe. Donc ça peut être très sympathique évidemment comme d'habitude en fin de stream. Donc voilà, on verra à ce moment-là, essayer de trouver des petites questions. Je vais essayer de poser exactement les mêmes pour chaque côté. Donc voilà, je pense que ça peut être très sympathique. Ça va même être très sympathique parce qu'on a vraiment deux équipes francophones. Ouais, c'est ça, francophones. Sur ce tournoi, donc c'est très très sympathique. Et la deuxième partie se dessine sous mes yeux. Numbani, map d'Orisa, map de Doomfist, map de personnages très importantes dans l'lore quand même cette carte. Donc voilà, c'est une de mes maps préférées, si ce n'est ma map préférée je pense. Et c'est un beau match qu'on va avoir sur cette map. J'espère voir encore une fois des deux tracers, celle de Poroli et celle de Deiros. Ouais, j'ai vraiment très très hâte. Les combats des Kiriko aussi m'avaient bien fait kiffer sur Ilios, ça s'envoyait des têtes respectivement. Et les deux compos vont se dessiner tout de suite sous nos yeux. On a une dive de chaque côté. Ok, très bien. Avec Zedasan en Cri, Poroli en Tracer Prototype, en Lucio, Skylands en Kiriko. Pendant que Narcas, le tank est toujours lui en Winston. Pareil, exactement même composition. Donc vraiment, on a une composition très très miroir. Pour le coup, Eldar en Monkey, Harry Potter en Cri, Tracer, c'est Deiros, Pat de Po, c'est Lucio, et Isaku toujours en Kiriko, hein, là pour mettre des têtes dans Skylands, et inversement, parce que voilà, c'est quand même assez sympathique.
10 secondes avant le début de l'attaque, je me mets du côté tac des attaquants. Vu que je vois que mon cher Mouti est du côté des défenseurs. Donc on va commencer tranquillou sur ce premier point qui pourtant est aussi facile que difficile à défendre. Avec vraiment beaucoup de top autant pour la défense que pour l'attaque. Alors par où est-ce qu'on passe? Par où est-ce qu'on passe quand on est à Lunarion Orion? On passe par en bas. On passe par la route principale. On vient directement chercher le fight avec le tank adverse qui l'attendait comme Batman en haut de ce bâtiment. Donc voilà, ça vient chercher comme d'habitude hein, les petits dégâts qui peuvent directement partir sur un gros assaut au top au niveau du Cri et de sa Kiriko ainsi que du Lucio, suivi évidemment hein, par le Mookie qui vient défendre, mais le point est directement investi. Une attaque très très agressive que Eldar nous a offert là juste ici. Il s'en fiche complètement du tank adverse. Il se retourne de temps en temps pour lui mettre des dégâts histoire qu'il l'oublie pas. Mais là il est vraiment focus sur les deux healers et sur le Cri. Attention parce que voilà, Narcas et le Cri sont là pour vraiment tuer Eldar qui se fera lui-même tuer par Cri. Qui se fera un triple kill. Zedasan, très très beau. Double kill, triple kill. Pas de pause viendra tuer pour lui. On est quand même presque à la moitié du tiers. Au seconde partie du tiers. Appelez ça comme vous voulez. Seulement capturé en 30 petites secondes. Zedasan qui vient faire son petit carnage quand même. Histoire de débloquer le petit Ainon. Ça fait toujours plaisir. On est vraiment là, ouais, dans un fight très très important parce que d'un côté pour la défense, c'est une défense réussie parce que le point n'a pas été capturé et on a déjà quasiment deux ultis. Et en attaque, on a quand même pris une grande partie du point. Ça recommence, Eldar qui part toujours au même endroit, chercher les supports. Je crois pas que ça ait été une bonne idée cette fois-ci, on s'y attendait. Voilà Kiriko qui est obligé de TP et de Suzu. Donc on a vraiment là une équipe qui est séparée. Ça peut être aussi bénéfique que pas bénéfique. Il va falloir faire vraiment très attention et être très précautionneux sur cette partie. Narcas et Eldar hein, qui se font des petits bisous. Voilà, des petits bisous à coup de canon Tesla pendant que Zedasan vient mettre une petite tête, hein, un petit bisou aussi dans la tête de Deiros. Une attaque hein, du coup très ralentie. Hein. C'est vrai qu'on a un rythme beaucoup plus compliqué quand il n'y a pas de tresseur dans son équipe. Et pourtant Zedasan vient de rouler lui-même en dehors de la map. La bombe qui est collée par évidemment des produits pour lui, qui vient essayer de récupérer ce kit sur le monkey, mais ça ne marchera pas. Po qui est obligé de mettre son mur du son, pareil pour prototype. Un Kitsune qui est prêt au niveau de Skylands. Isaku, je crois qu'il a 1100 aussi, mais vu qu'il est à 40%, je sais pas trop. Prototype qui vient de tuer Harry Potter, Eldar qui tue Skylands, Eldar qui tue Prototype. Il y a plus de healer chez les bleus, il faut reculer là, il faut arrêter d'utiliser des outils, plus de Suzu. Il va y avoir un delay kick sur Zedasan peut-être. Po, allez, Po qui était en danger malheureusement, qui se fera récupérer. Zedasan qui tombe sous les mains de ce monkey, hein, de Eldar. Faut qu'il fasse quand même attention parce qu'il a plus de 27 PV le bougre. 88, ça remonte tout doucement. La défense là ne s'arrête pas, elle défend constamment. J'aurais tenté de laisser le point mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le même elo. Il va donc falloir faire super attention, le deuxième tiers qui a été récupéré, plus aucun défenseur sur le point. Et avec une minute d'avance, messieurs dames, le point a été pris par les Lunarion Orion en seulement 2 minutes 30. C'est quand même très rapide. C'est une avance non négligeable, mais même absolument pas négligeable. C'est très très important d'avoir une minute, surtout dans cette partie de la map qui est quand même, je trouve, à favoriser en défense avec beaucoup plus de top. Mais après, maintenant qu'il y a une dive des deux côtés, c'est vrai que ça équilibre un petit peu plus le jeu. Pas de cri du côté de Zedasan. Pas de bombe, pardon, de cri du côté de Zedasan. Qui a quand même un Ainon, il va falloir faire attention. Skylands qui a son Kiriko Kitsune, pareil pour Isaku. Eldar a son ulti, tandis que Harry Potter là aussi. Donc on est quand même à un certain avantage d'ulti. Le Kitsune qui est lâché chez les bleus. Pourquoi attaquer, pour tenter de défendre. Le Kitsune qui est aussi lâché chez les rouges. Là, pour le coup, on sait que c'est pour attaquer. Double kill de Zedasan sur Harry Potter et Po avec le Ainun. Je l'avais dit, il fallait y faire attention. Zedasan est loin d'être bête. Et il prend deux kills, non seulement marquant, mais en plus très important. Parce que Po avait bientôt son ulti et Harry Potter, du coup, ne peut pas mettre le sien. Va falloir faire très attention et que Eldar joue, je pense, un petit peu plus safe sur cette partie de map. En tout cas, tant que le Monkey ou la Tresseur sont en vie, il va falloir faire beaucoup plus attention quand on est un Monkey qui s'appelle Eldar. Quoique, il y a un ulti, je pense qu'il va mettre son ulti dans le bâtiment. Hein. Il va rush, il va attendre qu'il y ait soit plus de Suzu, soit plus de grenades de Macri, il va ult. Push de la part du Monkey, de Narcas, bombe collée, Suzu tout de suite pour protéger son tank, évidemment. Ça a été très 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 bien joué. Harry Potter qui met son ulti, mais qui ne touchera malheureusement pas. Po qui met le sien et qui lui touche. Pareil pour Prototype, va faire très attention. Eldar lui aussi enchaîne sur le sien.
Il y a quasiment plus d'ulti dans la game. Ou alors ils sont très très peu chargés. Zeta Sam qui viendra chercher le healer avec prototype qui tuera Isaku. C'est très 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 compliqué quand on est en attaque. Là je pense que soit un switch, soit un regroupement va avoir lieu au niveau de l'attaque. Parce que le monkey passe plus, je pense. Le monkey a énormément de mal à passer. Il se fait tout de suite entrave, plus Narcas lui saute dessus, plus Dairos vient lui tirer des balles dans la tête. Donc je pense que ça commence à être un petit peu frustrant et compliqué au niveau du tank rouge, qui vient quand même toujours remplir son rôle hein, de tank dive de monkey. Qui vient tout de suite hein, aller chercher les healers, qui permet à Skylands quand même de prendre un kill sur la Tracer avec une bonne mandale dans la tronche. Ça fait toujours du bien. Eldar qui me prouve que j'ai tort et qui vient récupérer le kill sur Narcas. Ça facilite grandement l'attaque, mais malheureusement, les coéquipiers de Narcas étaient présents à la défense, notamment Poroli, qui est revenu à une vitesse ahurissante, démolir l'assaut de l'équipe Orion, de cette Lunarion Orion. J'aime bien le nom Lunarion Orion, c'est rigolo. Voilà, en tout cas, défense favorisée, là pour le coup, parce qu'il y a quand même 3 ultis contre 1, pas presque 2 si on compte celui de Tracer. Le Kitsune bleu qui est lâché tout de suite, là sous vous, pareil, Eldar est en grand danger. Narcas et Prototype viennent directement d'éliminer les deux, probablement les deux plus les personnages les... Ouais, je vais y arriver, les deux personnages les plus importants de l'équipe rouge. Et le tank, les DPS viennent valider cette défense avec un triple kill quand même, dont un delay kill sur Po. Qui prend quand même 2 secondes dans la tronche, ça fait très très mal, surtout quand il reste que 4 à la sauce. Zeta Sam qui prend tout de suite son Ainoun, il n'y a plus de temps pour défendre, ils sont obligés de se cacher, il n'y a plus de personne en attaque. Dairos prend un kill sur Prototype, Zeta Sam prend un kill sur Eldar avec une très très belle tête. L'assaut va avoir du mal à gérer, pourtant Poroli Narcas qui se font un plaisir d'arrêter cette attaque. Skylands qui vient calmer Isaku avec un kunai dans la tête et Poroli qui termine le jeu avec une magnifique kill sur ce Lucio, présenté par une balle dans la tête, hein. C'est pour lui. Il faut pas s'étonner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je viens de m'en rendre compte maintenant, il y a une aim de zinzin dans les deux équipes. Il y a souvent des kills qui sont terminés dans la tête. Alors pour une Kiriko, c'est relativement normal. Mais pour une Tracer, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Bon, pour un Monkey, évidemment, on s'y attend pas trop, mais... Voilà. Bon, après, on s'y attend pas trop, mais on peut faire des dégâts dans la tête avec un Shatter, donc... C'est complètement possible que ça marche comme ça aussi. En tout cas, dans 10 secondes, on aura les compositions respectives de l'équipe de GG et de l'équipe de Lunarion. Deux équipes qui, pourtant, se valent, alors que pas du tout placées au même endroit dans le groupe. Elles se valent très, très, très clairement. Les poules ont été vraiment très bien faites pour le coup, parce que là, on a des avantages de chaque côté, des défauts de chaque côté, et vraiment pour le coup ça a été très bien défendu, mais aussi très bien attaqué, même si à mon sens je pense qu'il aurait fallu switch le monkey un tout petit peu plus tôt pour une diva, pour ce que Eldar aime jouer, hein. Je pense qu'il s'y connaîtra mieux que moi en termes de counter, mais c'est vrai que là pour le coup j'aurais fait moi à une minute de jeu je pense le switch diva, parce que ça aurait pu surprendre déjà, et puis en plus c'est vrai que ça peut être quand même un petit peu avantageux d'avoir beaucoup plus de vitesse qu'avec un monkey et en même temps beaucoup plus de défense. Ah, il y a une pause qui est demandée. Voilà, tac, petite pause. Je vais voilà, en profiter pour vous parler hein, de caméra à caméra. J'espère que, évidemment, hein, le match vous plaît pendant que voilà, Bounty essaye de voir un petit peu quel problème il peut y avoir. 1-0 pour la Lunarion Orion. Obed a pas réussi à concrétiser sa première partie, mais la deuxième, avec l'avance qu'ils ont en termes de transport du point, ils n'ont pas beaucoup à faire. S'ils réussissent bien l'attaque sur le premier point, c'est très bien joué. Il y a un ready qui a été lâché, un hein, problème de réseau a été récupéré. Je crois que c'est de côté, on a Skylands et Pattes de Peau, donc voilà. Ouais, c'est bon, nickel. Le match reprend tout de suite, voilà, petit problème de réseau hein, extrêmement rapide. En tout cas, voilà, ça a été très très vite réglé. Ça fait très plaisir hein, quand les soucis sont réglés comme ça. Autant, je pense, chez les joueurs qu'au niveau du cast et des manas. Donc voilà, on passe cette fois-ci, hein, quand on est un Obed, on passe par le côté gauche. Et on surprend le tank, qui est déjà moins de midlife et qui a pris très 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 cher. Donc vraiment, là, pour le coup, ça a été très bien géré en termes d'attaque. Po viendra prendre son kill quand même sur Zeta Sam, histoire de lui rappeler que, bon, le point est pas gratuit non plus. Po très très agressif. J'aime bien cette manière de jouer de Lucio, même si c'est pas ma préférée.
va falloir quand même rester très très proche de son équipe. Mais c'est vrai que avoir un Lucio comme celui de Pau qui est à la fois très agressif et très support dans son rôle de Lucio, donc qui revient vers l'équipe quand il en a besoin, ça fait toujours très très plaisir, hein. C'est le Lucio qu'on rêve tous d'avoir. Le speed boost est lâché, on peut commencer à push. Eldar, que fais-tu de tes PV? Eldar, ils ont fondu. Et c'est heureusement qu'il y a Kiriko, hein, qui surveille tes arrières. Eldar, il faut apprendre à spotter sur le bâtiment. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais il y a eu un petit foiré. Oh, il faut aller tuer Po. Non, dommage, pourquoi pas. Ok. Eldar qui est encore une fois à moins de 1000 life. Les équipiers de Narcas, hein, qui sont vraiment en train de le gérer. Zedasen qui prend un kill sur Carry Potter. Poroli qui vient terminer Swinston. Poroli qui vient mettre un crochet à l'anglaise. À la tresseur adverse, celle de Deros. Po qui se fera annihiler, hein, tristement, par le monkey de Narcas. Le point est en train d'être pris, j'ai eu un petit peu peur. Et en tout cas, voilà, il va falloir faire très attention parce qu'ils ont quand même eu leur respawn. Donc ça va faire un assaut un tout petit peu plus compliqué parce que les ennemis sont déjà là. Le top qui est pris, c'est vrai que ça joue de la même manière. À part pour le tout premier push, donc qui s'est passé d'un côté au milieu rue principale et de l'autre côté par le bâtiment à gauche. Les équipes jouent sensiblement pareil, ils jouent le même Overwatch. C'est-à-dire que la défense est positionnée à son top parce que Monkey, Kiriko, Macri peuvent sniper, pareil pour Lucio. Et l'assaut est obligé de vraiment aller directement à récupérer ce top le plus vite possible pour peut-être prendre un kill sur Lucio, Kiriko ou au grand jamais le Monkey. Ça peut tout de suite sauver. Eldar prend beaucoup de dégâts sur cette défense. Il va falloir faire très très attention parce que Zedashan prend déjà un kill pendant que Poroli a trouvé le résultat de la gravité de Newton. Ça va ralentir un tout petit peu le temps, ça va être beaucoup plus compliqué. Po et prototype, la star du team, Isaku a mis déjà le Kitsune. Et Skyland vient de mettre le sang, là ça va être très très compliqué pour attaquer. Kitsune, quand on répond pas un Kitsune, avec un Kitsune par un Kitsune. C'est compliqué. Oh, Narcas qui vient se faire récupérer par Deros, et pourtant, je crois que c'est déjà une fin de Numbani. Parce qu'il n'y a plus personne. C'est les rouges, et oui, voilà, c'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. Très très belle partie de la part des Obed qui, voilà, encore une fois, arrivent à prouver que les statistiques peuvent être battues. Hein, voilà, ils ont pris vraiment le 25% de chance de victoire et ils l'ont absorbé, mangé, ils l'ont dévoré. Et ça a été vraiment très très bien joué, hein, avec une précision vraiment chirurgicale de Zedasan qui vient vraiment caler un maximum de têtes, quoi. Il y a vraiment une aim... Zedasan, je comprends pourquoi il est scan, quoi. Voilà, deuxième map gagnée par la GG Obed. On est déjà quand même à un partout et on va en push sur New Queen Street. Probablement ma map préférée quand même, hein, de push. Je pense parce que j'aime beaucoup. Alors Bounty, je te demanderai s'il te plaît de ne pas juger mes goûts. Parce que toutes les maps de push ne sont pas bien. C'est juste que New Queen Street est la moins pire. Selon moi. Après, il y a Esperanza, enfin, qui est très très bien. Réponds-moi, Colosseo, je pense que je démissionne, ouais, quand même. Colosseo, c'est loin d'être la meilleure, parce qu'il y a trop de... Je sais pas, j'aime pas Colosseo. C'est vrai, je pense qu'il y avait de quoi faire avec une map en Italie, mais pas Colosseo, s'il vous plaît, changez-la, merci. De toute façon, ils l'ont annoncé qu'ils allaient la changer, donc je suis quelqu'un de refait. En tout cas, voilà, un partout, et on repart directement, ça va très très vite. J'espère ne pas être à faune demain, pouvoir encore parler, parce que le grand oral arrive bientôt, oui. Et pourtant, la joie du cast ne s'arrête jamais. On tombe directement dans l'attente de match, puisque Zedasan et Narcas, voilà, étaient encore en train de se connecter. Et voilà, poup, 35 secondes, et on aura les deux compositions à cette très très belle carte. Hein. Vous savez, moi j'aime bien faire de la géographie canadienne, on est vraiment sur une architecture néo-futuriste canadienne, pendant que Bounty vous fait visiter l'endroit évidemment le plus intéressant de la map, qui sont les tunnels de métro par lesquels on arrive dans le mode PVE, qui n'est pas du tout une arnaque. C'est vrai que 15 euros pour 3 histoires, c'est sympathique. Non, je ne l'ai pas acheté, mais je sais comment se passe l'émission. Et pourtant, je me suis pas trop spoil. Je te préviens, Bounty, voilà, comme ça tu pourras te caler par rapport à moi, je vais chez les gros. Donc, voilà, pouc, dès que les personnages apparaissent. Voilà. Pouk, on a deux équipes. Une bleue, une rouge, en tout cas pour moi c'est plus vert, mais une bleue, une rouge. Une dive des deux côtés. Avec un petit. Non, ouais, plus brawl quand même, hein, pour les Obed. Ouais, on a Lunarion en dive, je dirais. Ouais, on a vraiment une poke dive. Brawl dive plutôt du côté des Obed.
Voilà, avec ce Ramattra qui vient quand même pas mal changer le rythme de la partie, même si on ne parlera pas de son ulti encore une fois pour ne pas que je devienne politique. Ça vient tout de suite, je vais chercher en haut, en gauche du kart. Skylands qui prend tout de suite sur Harry Potter. Comment es-tu mort de ça? Je ne sais pas, mais c'est... Faut faire attention. Des roses qui prend très très cher, Pou qui prend très très cher. Harry Potter qui passe tout de suite sur une chaude jaune. Très bonne cette jaune, autant que perso mais que sur cette carte là. Très très impactant, on a vraiment la brawl bleue hein, qui fait très vite avancer ce payload. Et fait reculer Eldar dans un mur de mail, forçant la souris, forçant la bulle et tuant, condamnant à mort le Lucio de Pau qui a pris très très cher, hein, qui s'était fait malheureusement annihiler par Conor McGregor, aussi appelé Ramattra dans le jeu. Tandis que le point avance déjà sur son 20e mètre. C'est une belle avance, c'est pas non plus considérable, mais c'est déjà pas mal. Ça avance très très vite, on est déjà à la moitié de la première partie de la map. Les Lunarions Orion sont pour le coup très en retard, ils prennent très très cher, même si le prototype vient de tomber, ils subissent un petit peu cette attaque. On va faire très très attention, voilà, parce que Narcas a tué le Lucio adverse aussi, et il s'est fait 10 kills, et Zedaslan malheureusement est condamné à mort, et Eldar fait un double kill, et Deros vient mettre... un très beau Pulse Bomb sur ce Narcas et Eldar valide son petit triplé, reprend la main sur le point et commence tranquillement à escorter la barrière de son côté. Voilà, barrière qui, on le dira quand même, je préfère le préciser, n'a aucune utilité parce qu'elle ne bloque personne de passer, à part évidemment les écureuils et les enfants de 3 ans. Donc on notera l'utilité plus tard, on est là pour commenter des fights nous, et on a déjà quand même deux ultis de chaque côté. 3 ultis pour les bleus, voilà, ça vient de se valider tout juste. On a... J'ai cru que c'était le freeze, mais non. Par contre, il y a la rage primordiale, l'overclock et la coalescence qui ont déjà été lâchés. Ça va faire très très mal. L'annihilation de Narcas qui a été lâchée, qui force Pau évidemment à mettre ce mur du son. Narcas qui prend très très cher, mais ses healers sont derrière lui et malheureusement, ça ne le sauvera pas. Harry Potter, avant de tomber, tuera Narcas, empêchant le carnage de son côté. Et Eldar passe sur un vrai Narcas. Alors c'est pas ce que j'aurais pris, mais s'il est confiant, on lui fait confiance. Et il y a eu un kill très sans Lucio. Eh oui, eh oui. Lucio vient de se faire tuer. Tresor vient de se faire tuer par Lucio. Pardon, c'était le temps que mon cerveau se mette à la page. Oh, Venture, enfin, messieurs dames, c'est la première fois que je casse Venture. Et je suis très content que ce soit la Blue Genji. Ça fait très plaisir, j'adore ce personnage. Ah bah c'est magnifique, voilà. Et bah Venture, probablement l'un de mes personnages préférés hein, parmi les plus récents, qui va être très très impactant et qui va, je pense, changer tout le rythme de la partie. Zedaslan qui était parti pour faire un petit carnage mais qui ne tuera que Harry Potter. Pendant qu'Isaku et Deiros font des kills chez les bleus, Narcas et Zedaslan font des kills chez les rouges. Hein, c'est une bonne entente. Il y a un petit C9 au niveau du robot, mais on en parlera pas plus. Parce que Eldar est malheureusement évidemment condamné à mort. Il va faire gagner, je pense que c'était pour faire gagner un peu de temps à ses coéquipiers, le temps qu'ils reviennent pour défendre ce point. Mais là, sans tank, avec Ramattra Mei, j'allais dire Zenyatta, mais pas du tout, c'est un Reaper, ça va être quand même un petit peu compliqué. On arrive déjà très très proche des 55 mètres qui marqueront la moitié de cette partie. Il va falloir faire quand même super gaffe. Et, oh, il y a un Shatter, peut-être, qui sait. Oui, le Shatter qui est calé, très très beau. Un kill sur Zedaslan, un kill sur Prototype, pour Oli qui vient quand même tuer Po dans le bac. Et oui, il va falloir faire gaffe parce qu'il y a eu une coalescence, il y a eu un freeze de mail. Et Harry Potter vient tristement encore une fois hein, tuer ce petit Ramattra qui n'avait rien demandé à part gagner sa partie. Et Deiros, avec ce magnifique personnage Kventure, viendra tuer pour Oli. Voilà, en tout cas... gros fight, c'est vrai que là pour le coup on a vraiment eu un très très gros fight, il y a eu bien quand même une minute, deux minutes de fight sur cette partie map, et c'est en faveur des rouges qui s'est transformé hein, finalement, ils ont vraiment bien joué leur cooldown et leurs ultis. Je pense que Poroli aurait mieux fait de caler son freeze en défense. Deros qui viendra prendre le premier kill sur Zedaslan hein, dans sa petite Venture hein, qui était toute cachée, toute tristoune et qui pourtant hein, viendra se révéler être une arme meurtrière. Comme toutes les armes finalement, mais c'est pas grave. Deros qui est pour le coup très très impactant avec ce Venture là, il va falloir faire très très attention. Parce que les deux GBL viennent de se faire transcender, trancher, éliminer, surpasser. Peu importe ce que vous souhaitez dire,
Et pareil pour la Moira, hein, qui se sont fait vraiment sortir par cette venture, je ne sais pas ce que vous préférez bien, en tout cas voilà. Ça a été pour le coup très 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 bien joué. Et puis Dero, c'est vraiment beaucoup plus marquant que ce que je pensais avec Venture. Je pensais que ça allait avoir un petit peu de mal à passer. Harry Potter qui met quand même son ulti, Prototype qui réenchaîne avec le sien. Deiros, je pense qu'il attend qu'une chose, c'est la fin du mur du son de prototype pour faire un carnage à 2 ou 3 kills, parce que là ils sont bloqués dans un bâtiment. Il a une charge puisseuse, ça peut faire très 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 mal. Et oui, je viens d'appeler son ulti la charge puisseuse alors que c'est pas du tout le bon nom. C'est pas grave. Narcas qui prend tout de suite le push avec évidemment ce combo au mur de Mei, forme annihilante et de Ramattra. Le Shatter qui est bientôt prêt, Deiros qui prend déjà son premier petit kill et qui se fera malheureusement tuer par le Ramattra. Lui-même se fera tuer par Reinhardt, c'est un cercle de la haine absolument très triste que nous assistons. Et Harry Potter prendra quand même un doublé, hein, il faut le signaler, sur Mei et sur Lucio. Il viendra, voilà, je pense, subir cette petite charge de Railgun. Il va falloir faire très très attention parce que quand on est un Lucio, un tir de Railgun, déjà de base ça fait mal, mais je pense que c'est beaucoup plus chiant quand on est Lucio parce qu'il faut tout de suite repartir. Et quand on est 5 HP, c'est vraiment pas ouf. Zedastan, tu ne l'as pas vu derrière toi, mais il y a un Reinhardt qui n'a pas vraiment apprécié que tu tues sa Sojourne. Narcas qui part évidemment maintenant à chercher ce kill sur Baptiste. Pendant ce temps-là, Eldar qui prend un magnifique kill à la charge sur Tracer. Il a son Shatter. En plus, attention parce que 80 HP, ça coule très très vite quand il y a un Ramattra en face de soi. Et pourtant, l'attaque, les Reds, hein, comme on pourrait les appeler, sont en train de briller de leur couleur et de vraiment écraser cette partie de map de New Queen Street, qui est vraiment pas du tout en faveur des bleus, qui vont prendre, je pense, dans la tronche un Shatter dans les 5 prochaines secondes. Voilà. Zedastan qui s'est malheureusement fait condamner, enfin, je pense qu'il n'aime pas trop, par le Reinhardt de Eldar, protégé par le mur du son. Ah non, c'est quoi qui leur a donné du shield ça? Ah, c'est le mur du son, voilà, j'étais pas fou. De Pau, qui a vraiment été très très bien timé, je pense, parce que là sinon Eldar était vraiment... Il avait les PV dans les chouquettes, c'était un petit peu compliqué. Là, l'équipe des Blues hein, sont vraiment en train de paniquer pour le coup, parce qu'il y a du délai kill et le délai est pas respecté. Ils redéfendent pas en groupe. Ils y vont vraiment un peu un par un, c'est vraiment pas la situation qu'on apprécie. Deiros ne trouvera pas d'élimination, je crois, enfin, en tout cas si une, mais elle n'était pas marquante de son ulti. Par contre, pour Oli, lui, il va servir au maximum avec quand même un triplé, dont un à la bombe, un au coup, au corps à corps et un au tir. Il a tout fait, voilà, pour Oli. Il a utilisé toutes ses capacités à bon escient. Il a vraiment été très marquant sur ce fight. Il vient de sauver les miches, hein, on peut le dire, de ses alliés avec ce très beau. Très beau, très agressif, triple kill à la Tracer. Donc pour Oli qui remonte tranquillement à sa manière. Et il s'était fait un petit peu discret sur le reste de la partie. Et là, il est vraiment en train de resservir à quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il servait à rien, hein, attention. Mais voilà, il a vraiment été très très impactant sur ce fight comparé à Eldar qui malheureusement vient de plonger dans la backline adverse de manière très 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 triste. Qui permet à Narcas de faire un double kill, même si Skyland lui passera tristement. Tandis que pour Oli et Zedastan hein, viennent en duo terminer. Qui reste de la pauvre équipe des Lunarions Orion sur ce fight. Ça a été très rapide, très agressif et ça a fait charger les ultis. Donc pour le coup, c'est un fight totalement gagnant hein, pour les Obed qui ont pour le coup été vraiment très 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 efficaces. Encore faut-il sauver s'il y a à sauver avec quand même ces bons 66 mètres à rattraper. Quand même sur une petite minute, donc ça va être quand même très très compliqué, sachant qu'il y a un Shatter qui est à 70% pour le Reinhardt de Eldar. J'ai dit 50%, 70%. Et Deiros et Harry Potter là qui viennent de prendre très très cher à cause des coups transperçants de Ramattra qui ont vraiment, pour le coup, hein, on peut dire transpercé la défense. Ils ont vraiment tout affaibli. Je pense que le Reinhardt commence à être difficile à jouer. En tout cas, en défense, il est difficile à jouer. En attaque, il est très très impactant. Mais quand il s'agit de faire de la défense, il n'y a pas le Shatter. Ça devient tout de suite un tout petit peu plus dur. Deiros qui a son ulti. Pas de peau qui tue de près. Pareil pour Isaku. Par contre, il y a 3 ultis chez les bleus. Il va falloir faire vraiment très 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 gaffe. Oh là là, le push du Lucio qui vient de condamner Eldar et de tuer. Tout le monde je pense. Ouais, là ça a vraiment enchaîné sur une grosse attaque. Parce que Narcas n'a pas hésité à mettre son ulti
deux secondes après la mort de Eldar, il savait qu'il pouvait ni se faire shatter, ni se faire emporter, ni même se faire tuer. Et alors que les prolongations sont là, qu'il y a seulement 30 mètres qui séparent les blouses de la victoire, il y a un shatter. Un Aimoun qui est lancé par les bleus, Eldar qui vient éliminer prototype, Harry Potter qui prend aussi très cher, Deros qui prend son double kill avec un ulti de Venture. Voilà, je vous l'avais dit que ce perso c'était l'avenir. Ça a été très bien joué. Ça a été très bien joué. Une défense pour le coup très 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 agressive avec évidemment tous les ultis qui restaient. On a vraiment fait la bouillabaisse bouillabaisse, voilà, je ne changerai pas mes mots. Bouillabaisse d'ulti, hein, on peut dire ça comme ça. Ça a vraiment été très très fort pour le coup. Hein. Il fallait pas s'attendre à autre chose. L'attaque de Venture est boostée par la window de Baptiste. C'est considéré comme un projectile? Je suis choqué. Je suis choquant, cela. C'est Route 66, pardon, voilà, je reprends le cast. Route 66 en escorte pour peut-être la dernière partie, la dernière manche. En tout cas, voilà. C'est ce qui a l'air de se dessiner parce que là, les Lunarions Orion, autant en attaque qu'en défense, ils sont chauds de ouf. Ils sont inarrêtables. Et je vais pas vous mentir, autant j'adore cast cette partie, autant j'ai très très soif. Donc, j'ai pas de bouteille vers moi, donc bah, pour l'instant je vais attendre et j'irai à la fin de la partie, c'est pas grave, c'est pas dramatique. En tout cas, voilà messieurs dames, on se dirige vers la dernière partie. Comme d'habitude, hein, j'en profite hein, pour entre ces deux parties, si la chaîne vous plaît. Ouais, le temps que j'aille chercher une bouteille d'eau, est-ce que tu me sauverais la vie, Bounty? Ce serait oui, fort, fort gentil. Je suis là, voilà. Donc je finis ma phrase. Merci Bounty de me suppléanter pendant 30 petites secondes. Je vais chercher une bouteille d'eau. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à suivre évidemment et à faire le petit don si vous en avez les moyens. Ça soutient tout le monde et ça fait très plaisir. Je vous laisse avec Bounty. Bonjour, je m'appelle Bounty. Et déjà, que pensez-vous de cette pauvre partie? Écrivez dans le chat. Voilà, non, j'essaie d'animer un peu en mode streamer parce que c'est rigolo et parce que je considère que je suis quelqu'un d'extrêmement drôle. Et puis voilà. Non, ouais, non. Si on peut parler plus précisément de la partie maintenant, mon avis, parce que bon, j'ai pas beaucoup l'occasion de parler sur le stream, comme à peu près tous les matchs qu'on a eu en semaine 1, c'est un match très très beau. Parce qu'on avait vu les Lunarions faire un 3-0 pendant la première semaine. Bah là, on les voit sur un match serré maintenant, donc on voit que qu'il y a du niveau vraiment des deux côtés. Hein. Que ce soit les GG, que ce soit les Lunarions Orion, je viens de voir la lumière. Est-ce que MP est en train de revenir? Non, il ne revient pas encore. Si, et là. Si et si, me revoilà, merci Bounty, tu as été d'une qualité absolument formidable. On applaudit Bounty, voilà, messieurs, dames. Sans qui, voilà, j'aime beaucoup le rappeler parce que c'est un peu les Batman du casting, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que sans Bounty, on n'aurait pas déjà autant d'opportunités, ni même de cast tout court, ni même ce bolet yaout. Et on commence tout de suite la game. Je vais en profiter pour ouvrir ma fenêtre, mais il n'y a que des problèmes pendant ce cas. Tout se passait si bien, tristement. Oui, il fait beau dehors, magnifique. Je vous donne la pluie et le beau temps. Route 66, ma map magnifique. Bah, il fait un petit peu pluvieux, mais il y a un ciel rose et bleu. Je te jure, enfin, c'est trop beau. En tout cas, voilà. Nous, on est sur Route 66. Ce qui nous intéresse, c'est qui va casser la gueule à qui en premier et qui va atteindre les 3 points en premier. Si le chat, si tu repasses ta tête par la fenêtre, je vais me mettre en colère. S'il te plaît, merci. Voilà, 10 secondes avant les compositions, rien ne se passe comme prévu. Je vais du côté de la défense, voilà, comme ça je préviens Bounty, comme ça, boum, chacun une caméra d'un côté. Ça va être trop beau. Pendant que... Oh oui, non mais bien sûr, hein, comme d'habitude. Bien sûr, comme... ah bah je prendrai l'attaque, voilà, comme ça maintenant je le saurai. On est sur une poke. Pour, ça n'a pas changé, voilà, les Obed, tandis qu'on est sur une dive avec une sojourne pour les Lunarions Orion, voilà, j'ai retrouvé mes mots. Le top est tout de suite pris avec évidemment ce combo H-Sigma, toujours très efficace pour deux raisons, évidemment, il y a la couverture que propose Sigma avec le bouclier. D'ailleurs, si on va, si on regarde comment il fait, je pense qu'il est en train d'expliquer la technique à son joueur H, toujours Zedasan, il était déjà très précis sur Macri, j'ai hâte de voir comment il va jouer ta H. 4, 3, 2, tu peux tousser, Bounty, enfin bref. Alors, on va commencer l'attaque gentiment avec, quand même, il laisse une belle avance
je pense, parce que c'est quand même quoi, 20-25 mètres, donc quand même faire attention voilà là-dessus. Pour ce premier point, Zedasan, voilà, qui part tout de suite, je le savais, c'était sûr que ça allait être très très vite avec lui, il est très précis, c'est un joueur vraiment très très fort sur cette scan, qui vient annihiler Harry Potter dans sa tentative d'attaque. Pendant que le Monkey escorte gentiment un petit peu caché derrière son convoi, qui vient évidemment essayer de prendre le moindre petit mètre possible, hein, c'est ce qui vous fait gagner la partie, faut pas l'oublier. On est quand même très 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 bien placé, je vois à ma droite une petite tresseur qui vient chercher, essayer de chercher son petit pic, qui vient de claquer son rewind. On a une attaque au top de la part du Monkey, j'ai une vue globale mais tout se passe bien, c'est trop beau, j'adore cast dans ces conditions. C'est magnifique, Zedasan qui vient éliminer tout de suite Dayrose Winston qui se fait tout de suite arrêter par le boulet magique de notre cher Sigma qui prend quand même un petit peu cher, va falloir faire très très attention à la seconde parce que Harry Potter n'est pas non plus en reste. On parle beaucoup de Zedasan mais Harry Potter n'est pas en reste. Broly qui lui aussi n'est pas en reste vient éliminer le Lucio pendant que Zedasan remet une tête, mais bon ça on va pas se mentir, on s'y attendait pour le coup. À notre cher H, tu me préviendras juste Bounty quand tu remettras la caméra parce que j'ai posé le téléphone, il est sur le PC qui est en train de brûler, j'ai pas envie qu'il pète. Voilà, pas de soucis, nickel, c'est gentil. Et puis voilà, on a quand même ces petits pokes, cette petite dégâts de poke hein, qui sont proposés par Narcas pour me permettre de cast un petit peu plus. En tout cas voilà, il est vraiment très 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 low PV, ça a vraiment failli passer Eric Crack. On a Dayrose qui a enfin pris Venture, il a revu la lumière, ça y est, il a entendu les voix. Et là, grosse erreur là, je pense, de la part de Eldar. Il est un petit peu condamné, certes il traîne de kill, mais ça va passer l'attaque. Parce que là c'est compliqué, on a Kiriko qui tient merveilleusement bien son Monkey, mais qui malheureusement se fera tuer. Ça, il fallait malheureusement s'y attendre. Lucio, avec sa Venture, peuvent tenter le kill. Très très belle bombe de Poroli qui enchaîne sur un triple kill, messieurs dames. Triple kill de Poroli qui vient me faire oublier Zedasan. Voilà, ça y est, pareil, il me jette la lumière. Il nous a vraiment aveuglé là pour le coup. Ça a vraiment été rapide. Ça, en un éclair, il a éliminé les trois personnages qui posaient problème. Et surtout, ça a créé du délai parce que son équipe, l'équipe rouge, était sur le point de revenir sur le point. Et ils n'ont pas réussi, du coup, parce qu'ils sont obligés d'attendre leur coéquipier. Toujours la même attaque de la part de Eldar, et pour l'instant ça marche, donc il ne faut pas s'étonner. Le Bob qui est drop, l'ulti de Sigma aussi, c'est vrai que j'ai pas son nom. Le mur du son, à droite, on a quoi? On n'a pas d'ulti qui ont été lâchés de manière apparente. Harry Potter qui est toujours mort pour l'instant, et Saku qui s'est fait tristement délétile, qui le Monkey n'a plus de soutien, et pourtant il continue d'attaquer. Prototype qui est sur le point de faire un double kill, Monkey Lucio, suivi évidemment de son temps, peut-être. Prototype le triplé, Narcas, tu es un très bon tank, nous t'adorons, mais là franchement j'aurais adoré crier pour un triple kill Lucio. Franchement, je suis triste. Voilà, j'aurais adoré. Je dis, mais en tout cas, voilà, c'est très bien joué. Les bleus nous sortent une défense du futur. Ils sont vraiment en train de bloquer. D'empêcher la progression de l'équipe rouge. Et enfin, pour le coup, là, franchement, le 0 point alors qu'on a une Lunarion Orion surchargée. Sous testostérone hein, là pour le coup, Harry Potter qui met son outil, va falloir y faire gaffe. Il est déjà mis de life, faut prendre le kill là tout de suite avant qu'il puisse faire soigner, malheureusement c'est pas le cas. Harry Potter qui a 2 HP, Poroli qui tombe sous les mains d'Eldar et Winarkas, ça va peut-être lui défendre un petit peu plus tôt parce que Dayrose vient de le tuer. C'est vrai que le kill sur Poroli qui était pourtant on fire était très dur parce que là ils l'ont vraiment subi. C'est-à-dire il y a eu perte de Poroli, perte du fight. Donc on sent vraiment l'impact de ce joueur dans son équipe. C'est pas celui qu'on dit le plus, mais c'est pourtant celui qui a les actions les plus importantes au sein d'une partie, en tout cas au sein de Route 66. C'est vrai que c'est lui qui a eu les plus beaux moves pour l'instant. Donc c'est pas un joueur qu'il faut oublier. En tout cas, le premier point est passé pour les Reds. J'aime bien dire les Reds, ça fait un peu anglophone et tout, c'est cool. Narcas qui force à Suzu Sakiriko, ça c'est déjà pas une bonne nouvelle. Il y a les enfants qui jouent dans le jardin, j'irai fermer la fenêtre après. C'est pas grave. Poroli qui prend encore une fois... Oh bah si on les entend pas, c'est nickel. Poroli qui prend son double kill, c'est très 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 beau. Ça force de reculer. Eldar qui vient évidemment tuer ce Poroli. On peut pas le laisser roam tout le temps comme ça, c'est impossible. Et Narcas qui viendra delay Isaku. Isaku qui malheureusement je pense est un petit peu en reste sur cette partie parce que c'est un peu toujours celui qui se fait delay kill.
et c'est très triste. Ça me rend triste. En tout cas, j'aime beaucoup dire en tout cas ce soir. Narcas est en train de vraiment empêcher la progression de 4 joueurs adverses, mais c'est toujours un Deiros. Et sa magnifique Venture qui freine dans double kill, j'adore ce personnage, même s'il se fait arrêter. Oh, Isaku qui vient de calmer Narcas, on parlait de lui il y a 30 secondes, et ben voilà, la voilà sa vengeance. C'est un kill sur le tank adverse, c'est ça sa vengeance, n'est-ce pas le chat? Et voilà, le deuxième point qui va être pris par les rouges, en tout cas très bientôt. La défense aura peut-être le temps de défendre une dernière fois, mais là on a un nid de Narcas qui n'est ni passé, qui a même été, bah, pour le coup, gâché. Parce que là, vraiment, on n'a pas grand-chose. Narcas, pourquoi? Narcas, pourquoi? Mais je pense pas qu'il aurait dû essayer de défendre. Là, franchement, il a failli faire perdre pas mal de temps à son équipe, mais c'est bien joué. Il y a une défense au niveau de la tresseur. Il y a le Bob qui est lâché, évidemment, contré, enfin, tentative de contrer par ce mur du son. Deiros qui viendra tuer Skylands, Narcas qui s'est fait coincer contre un mur tristement. On est pour l'instant sur du 2 kills pour 2 kills. Plus de tank dans chaque équipe, un healer, un DPS en moins. Porolia sa bombe, ils sont en train de se faire, ils ont failli se faire finale. On est à 2 pour 1 sur le point, va falloir faire vraiment très gaffe. Parce que là c'est les 20 dernières secondes et si les bleus veulent avoir leur petite chance de gagner avec de l'avance, il faut pas que les rouges passent le point. Et c'est ce qui est en train de se dessiner, tout doucement, mais c'est ce qui est en train de se dessiner. Même si Po arrive à prendre Zedafan, Antil, Potter tuera Prototype, Deiros tuera Porolia. Je pense que Narcas, hein, on est en train de voir ce sera tristement annihilé. À part cette équipe rouge qui viendra quand même chercher ce deuxième point. Ça a été très bien joué. Les Obed qui ne font plus une aussi belle défense que ce qu'ils faisaient au début. Je pense que le craquage de la première pression les a fait quand même pas mal subir. Et puis le premier point, ouais, il a vraiment été impactant, autant je pense surtout psychologiquement. Parce que là, ils ont vraiment été une passoire sur le deuxième point. Ça a été beaucoup plus facile pour les rouges de passer. Ils sont vraiment passés, ils ont entamé leur arc de méchanceté. La Suzuki est lâchée. Prototype qui est vraiment pas loin d'avoir son mur du son. On est pareil, pas loin d'avoir un Nepo qui a été obligé de lâcher son mur du son. Hein. C'est quand même une mélodie de Sigma qui a eu 2 kills pour les bleus, 3 kills pour les bleus. Ça se passe pour l'instant très bien. Il ne reste plus que 30 secondes. On est vraiment à la fin de la partie. Est-ce que le push va fonctionner et les rouges vont toucher la fin? Est-ce que les bleus vont réussir leur défense et les rouges ne toucheront pas la fin? Avec les deux ultis des supports plus le aiming de Macri qui arrive, je dirais que ça penche bien pour les bleus, mais on a quand même deux ultis chez les rouges, dont un de Deiros qui a l'air de faire souvent très mal, de toucher et de bien toucher. Il va falloir faire super gaffe. Les ennemis sont très bien marqués, ils sont vraiment ping à la nanoseconde où ils sont vus. Le Winston est mid HP, Deiros hein, viendra tuer pour lui, c'est vraiment des coups de fou, ça devient tout de suite plus compliqué. Zedasan arrive quand même à tuer Po avec son Ainu, ça a été pour le coup encore une fois un pareil très bien timé. Parce que du coup on perd énormément en vitesse et en soins. Deiros qui viendra même delay kill le Sigma de Narcas. On est sur du très low HP et très low en temps aussi parce que ça y est les prolongations ont sonné. Là c'est la victoire ou la défaite hein. Et les rouges grappillent le moindre petit pourcentage d'escorte qui peut être décisif. On a tous déjà perdu une partie alors qu'il restait un mètre à toucher sur le convoi et Narcas tombe et donc la défense est ouverte complètement et le mur du son est forcé et le Kitsune est aux couleurs des rouges donc ça se passe très mal et Harry Potter est en train de lâcher un Ainu qui va prendre un kill sur Prototype. Il venait tout juste de claquer sur son mur du son et Isaku viendra tristement tuer Tracer. Et encore une fois, Narcas ne pourra pas toucher et c'est un point en faveur des rouges, messieurs, dames. On est sur des parties à vitesse extrême. Alors autant c'est très dur à cast, autant c'est un bonheur à voir. Pour les yeux, c'est un bonheur à voir. On est sur du très haut level. Je sais pas comment ils sont classés, honnêtement, j'ai pas eu le... Ils sont quoi, Master? Et donc on est sur du de katana, donc ouais, master, grand master, non master, ouais master, mais parce que 3k5 c'est c'est master et 3k8 c'est master 2, master 3, donc ouais, on est vraiment sur un tournoi master. Attendez, parce que il y a le chat qui est un peu trop vers la fenêtre. Comme on est au premier étage, ça peut être dangereux. Donc défense, on est sur une Poke avec une Widow, enfin Poke, non, Dive avec une Widow,
Tandis qu'en attaque, on est sur... Ah non, je me suis trompé, c'est les rouges qui sont en défense. Rouge, on est sur la même composition que d'habitude, cette dive avec un petit côté poke brawl grâce à cette venture... Venture crie, et en attaque, on est en dive avec la Widow. Pardon, excusez-moi. C'est un tout petit peu fatigué, ça doit s'entendre d'ailleurs. Et 10 secondes avant de savoir si oui ou non, les GG Obed auront leur chance de gagner ce point, de gagner ce match face à ceux qui ont réussi à caler un 3-0. C'est très, 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 très bien ce qui est en train de se passer. Et le match est autant agréable, je pense, pour les joueurs que pour nous à cast et que pour vous à regarder. En tout cas, les premiers petits pics sont en train d'arriver. Il y a déjà une tête qui est partie sur le monkey qui a été décisive. La Widow en bas à droite qui est en train de chercher. Isaku, il touche souvent la tête. La vache, c'est aberrant l'aim qui donne ce jour-là. Non, mais c'est un truc de ouf. Isaku qui prend un très beau kill sur Zedasan et sa Widow. Avec une aim pour le coup impeccable. Je pense que c'est travaillé, retravaillé et re-retravaillé juste au cas où. Ça a été très bien joué, franchement j'ai rien à dire, et la preuve, hein, Isaku est celui qui a le plus de charges d'ulti pour l'instant avec la Kiriko, son vis-à-vis, hein, Skyland, hein, son adversaire, son Nemesis. Les deux sont en train de vraiment nous vendre une très belle game en tant que Kiriko, hein, ça doit pas arriver souvent d'avoir un rival comme ça de son niveau. Et ça a été vraiment très très bien joué, en tout cas tout le long de la partie. Eldar qui viendra récupérer Zedasan, je pense qu'il va falloir switch très 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 vite. Parce que là sinon les raids vont gagner. Et c'est triste parce que du coup les bleus vont perdre. En tout cas, triple kill pour les rouges, ça a été très bien joué, dont un double kill de Harry Potter. Il faut que j'arrive de dire en tout cas parce que ça devient vraiment long à force. Regrouping du côté des bleus, il va vraiment vraiment falloir être beaucoup plus impactant. Et la Widow qui a été changée pour un cri, évidemment, ça il fallait s'y attendre. Isaku qui continue de prendre ses petits dégâts, tandis que vraiment on a vraiment un côté caméra. En haut de votre côté finalement, parce que vous voyez pas ma POV. Isaku se fait tuer par Skyland et tous ses coéquipiers finalement sur un coup de poing. Harry Potter qui arrive à placer une très très belle grenade, suivi de Po qui tuera son vis-à-vis, et Zedasan qui prend quand même un double kill, vient rétablir un petit peu cet ordre avec sa très belle aim, hein, qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai que ça l'a quand même pas mal sauvé. Deros qui arrivera à récupérer le kill sur Poroi, et Zedasan qui viendra quand même venger ses coéquipiers, avec Narcas revenu d'entre les morts, qui viendra prendre son petit kill quand même. Il n'est pas en reste. On a un kit, 4 outils qui sont prêts à droite. Ainun, fouissage de Venture, mur du son, Kitsune. Tandis que pour les bleus, on a Kitsune, bombe, et le Ainun qui vient de partir. Putain, la défense qui prendra le kill sur Skyland, c'est Dastan. Dans ce magnifique combat de cowboy, viendra tuer Po. Poroli viendra tuer avec la bombe. Deiros, Eldar et Sarah Strummer viendra nous tuer. Zedasan, c'est un véritable carnage, hein, qu'il y a sur cette fin de point. Seulement 3,22 mètres du temps additionnel. Et 1 minute 20 de la victoire pour les rouges, 1 minute 20 de la défaite pour les bleus. Le point est en train d'être perdu. Il va falloir commencer à se réveiller parce que là, c'est compliqué. Et voilà, et quand je le dis, magnifique. Quadruple kill, équipe éliminée. Les bleus reprennent le premier point. 3 minutes 32 au compteur, messieurs, dames. Le match n'est pas fini. C'est trop bien. Il y a tout le temps des retournements de situation. Mais pour le coup, c'est génial. On est vraiment en train d'assister à du beau Overwatch. Un Overwatch qualitatif. Et c'est ce que j'aime. Et le team play de ces équipes me rendra toujours admiratif. Oh, et Bounty qui dit que je suis un casteur qualitatif. Mais voilà, des bisous. Des bisous, Bounty. Et en tout cas, et tristement, Eldar qui se fait éliminer. Zedasan qui, lui aussi, prendra ses petits kills. Et il ne veut pas qu'on l'oublie. Et ne t'en fais pas, on t'oublie pas. Deux kills chez les rouges, deux kills chez les bleus. Un respawn de chaque côté. Quasiment à la nanoseconde près. Un Deros sera un tout petit peu en retard. Po viendra tuer Narcas. Alors par contre, le fait à chaque fois, à chaque fois que Lucio va tuer le tank adverse, ça va me faire sourire parce que c'est génial. C'est pas des situations que je vois tous les jours, donc c'est quand même assez rigolo. Isaku vient de me faire découvrir un spot de DPSing avec Kiriko. Merci Isaku. On te fait des poutous. Est-ce qu'on sait qui on aura à la... Attends, on se demanderait après. Zedasan qui met son Ainun, prototype, patte de peau. Deiros qui mettent aussi leurs ultis. Le Kitsune qui est parti. Isaku est à 73% de ce Kitsune. Pour éventuellement aller chercher, hein, la save au niveau de ses coéquipiers. La save à la défense.
Et je pense pas que ça aura lieu parce qu'il est en train de jouer à cache-cache avec Zedasan. Et il a réussi. Il viendra même prendre un magnifique double kill sur les deux DPS. Isaku qui est vraiment en train de nous vendre du rêve. Ça y est, il est en train de déclencher toute la colère qu'il a emmagasinée tout le long de la partie à se faire tuer et retuer et se faire dealer kill. Il est en train de vraiment tout donner. Dans sa vengeance, hein, dans sa dark era, on est vraiment... Ah bah voilà, il lâche le kitman, ça y est, c'est parti, les chiens sont lâchés, Cerber est en train de partir, faites gaffe à Zedasan, parce qu'il est sur le toit du garage, et il peut ult, et il pourra plus ult, parce qu'il est décédé, et Harry Potter qui tue, les deux Macri meurent tout le temps en même temps. Prototype qui tue pro, oui, j'y crois, les deux ils sont partis se battre, ils étaient dans leur game à eux. Isaku qui est très très low HP qui se fait solo hit par le monkey. Ça fait mal au cœur. Et non, il s'en sort. Oh non. Non, c'est grave. Il s'en est sorti. Il s'est sorti du monkey. Et il y a Prototype qui vient détruire ses rêves avec un coup de boop. Qui sera juste assez pour finir sa barre de vie. Poroli qui fait un très beau kill avec sa bombe très très bien classée sur Eldar. Narcas et Zedasan qui prennent les kills nécessaires à la fin de leur avancée. 2 minutes 17 avant la fin de la partie et on a un pic Maoga au niveau de la défense. Maoga, bon, bah, pareil, encore une fois, c'est pas un personnage dont j'ai envie de parler. oh, Maoga, mon or, non, Elga. S'il te plaît, ça. En tout cas, voilà. Mais j'ai quoi avec la phrase en tout cas ce soir, c'est terrible quand même. Zedasan, en tout cas, je le dis beaucoup. au top ça a été pris, mais malheureusement il n'y a pas de kill. Je pensais que Isaku allait prendre sa petite tête sur le cri de Kari de Zedasan, pardon. Deros par contre lui viendra chercher son kill. Isaku viendra quand même récupérer son rang de sniper, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, avec un très très beau double kill au niveau du Lucio et du cri. Ça a été pour le coup très bien joué. Eldar qui switch immédiatement sur une Zarya, c'est pas le pic que j'aurais. Ah si, il y a une Diva en face, ok, j'ai compris pourquoi. Harry Potter qui attend qu'une chose, c'est mettre son Ainoun, mais avec une Diva en face, ça peut être un peu chiant. Prototype, Skylands qui ont leurs ultis, des héros qui est en train de charger le tien. Isaku pas de peau qui risque de l'avoir approximativement en même temps. Et Zedasan qui est un petit peu derrière, mais qui est quand même pas trop loin de l'avoir non plus. Narcas qui est sans mecha, il va falloir faire très très gaffe. Skylands qui vient challenger Isaku, le sniper de cette game. En faisant un magnifique triple kill, ça a été bah, et bien joué. Là, il y a rien à dire. Ça a juste été bien timé, bien amené et bien traduit, hein, finalement, presque. On est sur 40 petites secondes et c'est toute la game qui joue là-dessus. Toi, t'es victoire des Obed. Chance de gagner la partie, chance de gagner ce match. Ça, c'est victoire des Reds. Et là, c'est fini. La Lunarion, on prend sa victoire. Le mur du son est lâché. Le Kitsune est lâché. Le Ainoun de Zedasan est lâché. Le mur du son vient de se finir. Le Kitsune, pareil. Il y a très très peu de vie au niveau des rouges. Et il va falloir miser sur les derniers kills. Le triple kill, Narcas. Le quadruple kill. Le dernier kill. Et dans ces 10 dernières secondes, 10 dernières secondes, c'est le temps que Poroli a pour toucher et valider la tentative de défense pour ses alliés. Le point qui a été touché par Poroli. Les prolongations qui sont donc lancées. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et c'est la victoire des Lunarions Orion qui prennent la victoire avec un 3 à 1. Avec cette dernière map splendide, absolument parfaite. PT Route 66, il ne pouvait pas y avoir meilleure victoire ou meilleure défaite que ça. Les deux équipes ont été du même niveau. Lunarion, on l'a vu, a été un petit peu au-dessus sur les deux dernières maps. Enfin, sur les deux dernières maps, non, sur la dernière map du coup. Et ça a été validé, ça a été gagné. Et ils partent avec une très très belle victoire. Les Orion, pardon, et les Obed partent avec une défaite, certes, mais une défaite qui a été bien défendu, je dirais. Une défaite qui a vraiment été qui aurait pu autant être une victoire, ça aurait pas été étonnant. Voilà, mes Lunarion Orion ont vraiment été au-dessus. J'ai réussi à garder quelques questions
Voilà, messieurs, dames. Je n'ai pas le chat sous les yeux, mais je pense que poser une question du chat, ça aurait été rigolo. Donc, Bounty, si on t'envoie une qui peut être intéressante, bah dis-le-moi. Voilà, je. Zeda-san, c'est les bleus. Et ok, bon, on commence par Zeda-san. C'est parti, on va avoir Zeda-san en interview aussi. Hop là! Fouette! Et voilà, bonsoir, il vient d'arriver. Bonsoir Imran. Eh bien déjà, GG pour cette partie. Vous avez quand même eu une très belle défaite. Comment on se sent à la GG Obed? Bah forcément pas bien parce que on pense toujours qu'on peut jouer mieux, on aurait pu jouer largement mieux. Bah c'est pas notre niveau habituel, franchement il y a Ok. des choses qui sont pas respectées, on est un peu brouillon, etc. Du coup forcément on n'est pas content. Et c'est déjà mieux que le premier match déjà parce qu'il y a un gros level up par rapport au premier match où vraiment c'était n'importe quoi. Là au moins la com était présente, mais c'est toujours brouillon. Dans les plans de jeu, dans ce qu'on fait, etc., les targets, et du coup, bah ça nous coûte quoi, ça nous coûte la game. Ok, très bien. Donc toi, tu étais Zeda-san sur la partie, si je ne C'est ça, c'est m'abuse. ça. Ok. Donc tu étais leur DPS hitscan. C'est ça. Comment cet aim? Comment cet aim? C'était. Comment as-tu eu cet aim? Que combien de temps tu passes à t'entraîner par jour pour avoir ce niveau-là? Parce que j'ai vraiment trouvé que tu mettais beaucoup de tête pour le coup, comme la Kiriko de Hisaku. Donc dis-nous ton secret. Comment mets-tu autant de tête? Je veux faire pareil. Bah, honnêtement, il n'y a pas vraiment de secret, c'est juste que bah je joue et j'essaye de garder cet aim, même s'il n'est pas là tous les jours, j'essaye de le garder au maximum, j'essaie de garder la même routine, de m'entraîner le même temps pour tous les jours avoir à peu près les mêmes sensations. Et Ok. bah il n'y a pas de secret, hein, c'est juste de l'entraînement, même si je joue enfin moins qu'avant au jeu. L'aim, surtout faut pas changer beaucoup de sensi. Y a pas de secret parce qu'il y en a qui aiment beaucoup changer de sensi, mais c'est surtout s'habituer en fait, c'est tout. Ok. Très bien. J'avais une question du coup par rapport, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit au niveau des communications, etc. Qu'est-ce que vous allez essayer pour le prochain match? Pour le prochain match, du coup, déjà sur l'escrime, on va essayer de se réhabituer parce que hier on a fait un scrim en début de début de semaine, c'était passé comme le match, du coup, c'était pas bien passé, mais on a fait un scrim hier, c'était très bien passé pour le coup. Je pense juste qu'on se réhabitue au rythme qu'on avait avant et qu'on baisse pas les bras surtout. C'est deux défaites, mais les défaites, faut qu'on en apprenne principalement. Et je pense il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur le fait qu'on n'était pas au max. Mais je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et qu'en scrim, on s'améliorera. Et comme on a vu par rapport au précédent match et à celui-là, on s'est amélioré. Et au prochain match, on va tout niquer. Hein. Ok, bah très bien, c'est ce qu'on attend de vous. Ça fait très plaisir d'entendre des choses comme ça, des gens qui sont vraiment dans l'esprit de continuer à s'améliorer. Maintenant, la petite question spéciale Blue Genji. Si tu avais vraiment un adversaire, une bête noire à choisir parmi tes adversaires, ce serait celui qui t'a le plus gêné personnellement ou au niveau de l'équipe, même ça fonctionne aussi. Bah forcément, vu que je joue Hitscan et généralement je joue un piqué plutôt important pour l'équipe, je dirais leur tank. Leur Ok. tank, franchement. Il a su me mettre la pression, je vais pas mentir. Malgré quelques fois, du coup, on l'a vraiment focus bien et du coup, il pouvait pas faire grand-chose. Mais par exemple, sur la dernière map, il m'a bien gêné sur le deuxième point, donc bien joué à lui, hein. Ok. Ouais, non, mais franchement, ça a été, c'est un très bel esprit. Peut-être une petite dernière question. Moi, j'aime bien savoir, etc. Quel a été soit ton premier perso que tu as joué sur le jeu, soit ton main actuel, en tant que Hitscan, en tant que comme tu veux. Bah, mon premier perso que j'ai joué, c'était Genji. C'est Ok. encore le perso sur lequel j'ai le plus d'heures de jeu. Enfin, je pense à comme un peu tous les DPS. Et bah le perso, du coup, mon perso actuel, c'est Cass. Franchement, Ouais, c'est les persos on sur l'a lesquels je suis vu. plus à l'aise. Ok, ça s'est très bien ressenti pour le coup. On t'a vu de mettre de très très belles têtes. En tout cas, moi, si Bounty n'a pas de questions, moi, j'ai terminé. On vous souhaite évidemment, comme d'habitude, de vous améliorer, de gagner encore plus de matchs. Et ça fait plaisir d'avoir en cast et en interview des équipes et des gens comme vous. Donc, ouais, moi, j'ai rien à ajouter. Et on n'a rien de plus à dire. Et puis voilà, merci pour l'interview. Ça fait très Merci plaisir. pour le cast, ça fait plaisir aussi. Moi, c'est normal. Alors, moi, on me propose, j'y vais, hein, si je peux. Donc, voilà, je vais pas te retenir plus longtemps si on n'a rien à ajouter. Et puis, Ça marche, bah, ça encore une marche. fois, GG. Merci, merci pour tout. Puis, on va Merci, recevoir. merci. Est-ce qu'on sait? Ah, voilà, je le vois apparaître.
Deros, ok, donc c'était leur tresseur. Oui, oh là là, magnifique, bonsoir. Bonsoir, allô, vous allez bien? Oh bah nickel, et toi, comment on se sent à la Lunarion Orion, là, actuellement? Bienvenue Ben écoutez, on se sent très bien, on a l'impression d'avoir géré notre match, et ben, on est bien content parce que GG Obed, c'est une équipe qu'on a pas mal croisée en scrim, et ils nous ont toujours beaucoup posé problème. Et c'est vraiment une belle équipe. Ouais, donc déjà, c'est ce qu'on se disait aussi. Bah, oh, c'est gentil, j'adore cet esprit-là. C'est magnifique. Ben, voilà, j'ai quelques questions pour toi. J'ai essayé de faire en miroir par rapport à ce que j'ai posé à Imran, mais je me souviens plus ce que j'ai posé. Donc, on va commencer par la question facile. Si tu avais une bête noire, donc ça, c'est notre question à la Blue Genji, un adversaire vraiment qui t'a bien embêté dans cette partie, ce serait qui? Je dirais que la tresseur en face pour Oli, si je ne dis pas de bêtises, était vraiment 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 bon. Et bah, de toute façon, on l'a vu plusieurs fois sur les POTG, il est vraiment vraiment clean sur toutes ses agressions. Et je le trouve très clean mécaniquement, tout simplement. Donc ouais, je pense que ça pourrait être lui. Ok, très bien. Bon voilà, nickel, ça fait très très plaisir à voir. Tu étais la tresseur aussi, tu étais le DPS flank de la Orion. Tu étais aussi par rapport au pseudo de la Lunarion Orion, tu es. Que je situe quel rôle tu as. Deros. C'est Deros. Ok, je suis Deros. Ok, ah, DPS. Voilà, je cherchais c'est le. La même. Si c'était DPS genre tresseur ou si t'étais hitscan. Globalement, en ce moment, je joue beaucoup plus de flanqueur du style tresseur Venture. Ok, dans notre plan, c'est pas mal de ces persos-là. Ok, très bien. Ouais, c'était juste pour voir si c'était un rôle que tu avais l'habitude de jouer ou si c'était bien vraiment sûr. Juste pour t'adapter à l'équipe. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça a été vraiment maîtrisé, hein, ça on peut le dire. Mm-hmm. Quel a été ton premier perso ou ton main, éventuellement si tu peux répondre aux deux, tu peux. Hein. Alors, mon premier main, il fut un temps où j'étais sur console et j'étais un autre. J'étais sur PS4 et il fut un temps où j'étais totalement sur Sombra. Jusqu'au moment où j'ai totalement swappé et été sur Tracer et j'ai jamais quitté le perso depuis. Ça fait globalement 6 ans que je joue beaucoup de Tracer. Ah ouais, 6 oh là, 6 ans Tracer, oh, ça fait. Ok, ça fait beaucoup quand même. Je dois être entre ouais, 500 et 600 heures de jeu sur le perso, donc. Ah, on comprend. Et encore sur console, le problème c'est que bah c'est très compliqué de faire des flics. Ouais. Quand j'ai commencé à jouer sur PC, j'ai directement revécu. Bah oui, forcément. C'était sûr. Ça, c'est la phrase que j'attendais d'un ancien joueur console. J'ai revécu. Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai que quand on joue une tresseur un peu plus console, c'est avec le joystick, c'est tellement compliqué de choisir la bonne cible. C'est tellement moins mécanique ou presque naturel que sur souris. Que ça fait vraiment ouais c'est un changement, c'est une revitalisation de bah, et puis surtout le fait justement de flic, le flic il est très linéaire et au final on se retrouve juste comme un robot à tourner sur soi-même. C'est marrant parce que vraiment c'est toujours toujours bien de voir une tresseur au niveau joué parce que c'est vraiment tu dashes, tu tournes, tu dashes, tu tournes, tu dashes, tu tournes et ça peut filer le tourner. Moi franchement je vois un peu tresseur, bon pas à votre niveau évidemment, mais je joue un peu tresseur et c'est vrai que déjà moi, bon la moto, bon, hein, ça va aussi. Ah oui. C'est pas la même, donc ouais, ça donne le tournis des fois, mais c'est très très cool à voir. Qu'est-ce que j'ai comme question en stock? Oh, j'en ai une là, magnifique, parfait. Est-ce que tu es là depuis longtemps à la Orion? Est-ce que tu as joué ailleurs avant? Est-ce que c'est vraiment, ou alors c'est vraiment ta première équipe et t'es resté? Alors, Lunarion, c'est ma première équipe, à proprement parler, parce que il fut un temps où ça s'appelait Rainbow Fox, et ça date de 2021, ça fait 3 ans que je suis dans la même équipe. Ok, et bah c'est vrai. J'ai t'es vu ancré, passer... je suis ancré, j'ai vu quelques personnes passer, j'ai vu plusieurs mates passer, et là, avec notre équipe actuelle, ça fait globalement bientôt 2 ans qu'on joue tous ensemble. Ah, vous donc, connaissez bien. On se connaît vraiment bien. Ça et s'est ressenti. Je pense qu'au-delà de ça, on est des potes, en fait. On est des potes, on prend un peu de fun, on se... Ça s'est vu. Ouais, voilà.
Pardon, je t'ai coupé pour la fin. Il n'y a pas de souci. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'on est des potes et on. Tout simplement, on s'amuse. Bah, C'est le maître mot dans notre équipe. ça vraiment, ça s'est vu dans le côté, ça s'est vraiment ressenti dans le côté. Bah déjà, j'ai vu une Kiriko sur la fin de Route 66 beaucoup plus agressive. C'est ce que j'avais Oui. noté. Donc là, ça a vraiment été le moment où je me suis dit, bon, là, ils sont à l'aise et ils jouent presque amicalement, quoi. Donc, on aurait même pu deviner que vous aviez fait beaucoup de scrims avec Obed parce que vraiment dans le chat, yo, tout de suite, ça parle dans le chat, les gens sont gentils. Donc, ouais, ça fait en tout cas très plaisir. Et puis, dernière petite question pour ce soir, en tout cas pour ma part. Qu'est-ce que vous avez prévu d'ajouter ou de changer que vous avez voulu faire ou pas réussi à faire ce soir que vous aimeriez bien implémenter dans votre équipe ou dans votre gameplay Je pense qu'on avait des. Ce soir encore, on avait des timings d'agression. On a un peu mieux compris les moments où il fallait aggro, les moments où il fallait jouer un peu derrière. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer encore de travailler parce que si globalement on a le tempo, c'est qu'on est. On est au-dessus. Et si on a le tempo, c'est qu'on a plus de chances de gagner le fight. Donc, Ok. on va essayer de travailler dessus et. De toute façon, c'est très important d'avoir ce genre de choses quand on joue des compos comme Rush, comme Dive. Ok, Et puis, ouais. bah voilà. Eh ben nickel. On vous retrouve, je crois, c'est la semaine prochaine contre Wreck-It Trains. Ça? C'est ça. Nickel. Est-ce que vous appréhendez un petit peu le match? Est-ce que ça va? Est-ce que. Comment on se sent? J'ai rajouté une question, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, hein. Est-ce qu'on appréhende le match? J'ai envie de dire, on appréhende le match comme n'importe quel autre match. On scrime, on joue, on scrime, on joue. On regarde pas forcément le pseudo en face. Là, on a regardé les GG Obed parce que forcément, on les connaît. Mais sinon, on va dire qu'on est sur le match comme sur n'importe quel autre match. On le prépare, ça se prépare et ça se. Et ça se joue, on va dire. Et bah voilà. Et puis nous on va élire le MVP, je pense, de notre côté. D'accord, il n'y a pas de souci. Et puis bah moi, si Bounty n'a pas de questions, comme d'habitude, je vais te laisser encore une fois avec un très beau GG, une très belle victoire, un très beau 3-1, et puis félicitations, voilà. Merci pour Merci l'interview. beaucoup. Et puis merci pour l'organisation. Hein. Oh, Franchement, ça c'est Bounty, c'est pas moi. je sais bien, mais merci pour le cast, merci pour l'organisation. C'est vraiment clean. Merci pour tout. Bah ça fait plaisir, ça fait très très plaisir, nous on est contents, donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis Impeccable. voilà, on te souhaite une bonne soirée et puis bah on se retrouvera peut-être sur le prochain match, qui sait. Bien sûr. Voilà, Allez, et bonne soirée, bien les gars. bah, avec plaisir, toi aussi. Merci bien. Salut. Salut. Et puis pouf, voilà, fin d'interview. Des gens très sympas, vraiment des gens très très agréables. Ça fait très plaisir. On fait des petits poutous. Alors, est-ce que j'ai les jours? J'ai peut-être les jours. On a la semaine prochaine en match. Lunarion Orion face à Wreck-It Trains, mais ici, je n'ai pas le jour exact, en tout cas je ne le vois pas, je suis peut-être nul, mais je ne le vois pas. Et on a toujours la semaine prochaine pour le round 3, du coup. GGOB, pareil, les deux mêmes équipes, face à, tout, 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 j'ai le nom juste là, Silver Smurfers, face à GGOBED. Donc, pareil, la même semaine, le même round, on a, pouit, 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 pouit. Les météores, c'est déjà passé. Non, ça fait cette semaine-là, suis-je bête? On a Pouk. Météores contre. Météores Orion, d'accord, ok, c'est la même structure. Contre DSC Wazox. Ah, c'est. Ah, Météores. Ok, Météores. Ok, très bien, c'est deux structures, ok, pas de souci. Donc, Météores Orion, voilà, encore une fois, mais c'est pas la même du coup, face à DSC Wazox. Voilà, donc pareil, toujours la même semaine. Et le dernier match. Le dernier match, c'est. Touk, 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 touk. Pourquoi ça m'a mis en mode lava? Je ne sais pas. Ah, je me connais ce nom. Blue Genji Cheetahs contre Wasp Pyro. Voilà, donc une équipe de la Blue Genji qui va jouer sous nos yeux. Peut-être même castée par moi, qui sait? On verra bien. En tout cas, on a hâte de voir comment ils s'en sortent dans cette rencontre. Je ne sais pas du tout au niveau du tournoi, pour être tout à fait honnête. Voilà, on a eu un très beau match de la part des Blue Genji Cheetahs. Donc si voilà, comme d'habitude, si ça vous intéresse, mettez le follow hein, pour ne pas louper.
Et puis moi, voilà, c'était MP89 Bounty. Alors, attendez, je recommence la phrase. C'était MP89-39 au cast. Bounty à la production, Lunarion Orion face à GG Obed. Merci à tous. On vous fait des gros poutous et puis à très très vite. Ciao, ciao.